Donc si vous demandez, c'est pas parce que vous cherchez, c'est une question de disposition. Voilà. Ok.
Non, on va accueillir. On a accueilli. On a accueilli. On a accueilli. Et à quand on va non?
Come up to a party, little baby. I can't want you there. They can't want you there. That's a crap. I think I will most want you to know why, Baba. Can I get you out? But we do not. Yeah, man, I know. Baba, I do. And now you, Miss Abano. You know, crap, and flash drapeau. You don't get a cup of the trouble. What's it? I'm a sovereign. No crap, I come over there. No matter to you, Papa Palato, on his own other panel. You are Tintan Law. You go up with my bet, won't come in a red. Go from Pamie, Yantigraman Bali. No man, the deaf union. There was made by the best man, Papa. Rabbin, one man gave him the moment my daughter, Minya Bramo, Papa, the crack up with more kind. My bet, Matty, most lots of the ground, Matty, the copper, and we now flow through. I thought, no more kind of video. Who said, Nefe, yet won't come late. Can't wait in your mouth in that. Never wait in your mouth. Madame la Première Dame, Monsieur le Ministre, au nom du président du Conseil général, mon grand frère, et tous les chefs des villages d'Aoko présents ici, le chef central de Aoko Fiogène qui est là, et les chefs de cour et la cour du roi d'Aoko, de Mongolabou, nous avons souhaité la bienvenue. Et la bienvenue aujourd'hui à Daoko, c'est le président Henri Konan Bédier, avec qui j'avais échangé à Abidjan. Et vous êtes là aujourd'hui pour, n'est-ce pas, apporter votre compassion à tout Daoko. Et nous sommes chez, ici chez le roi Konan Mongolabou, qui malheureusement a été frappé par un deuil. Il y a à peine une semaine qu'on a porté en terre son épouse et son frère en même temps. Même jour. Et aujourd'hui, lundi encore, dans nos rituels, le roi ne sort pas. Et couplé encore par le deuil qui frappe le roi, il est astreint, n'est-ce pas, à toute cérémonie. Et donc, nous sommes en deuil. Et la cour en deuil. Voilà pourquoi j'ai trouvé que cette visite, cette réception est vraiment très sobre. Parce qu'en temps normal, quand vous entrez ici, c'est en temps parleur qu'il devait vous accueillir. Et donc s'il n'y a pas de bruit aujourd'hui, c'est parce que d'abord nous sommes en deuil ici, le roi en deuil. Et quand on sent que nous sommes encore étirés pas encore parce que nous avons vécu par tout ce qu'il y a d'Aoko ici, nous sommes obligés aujourd'hui d'être de la sobriété. Là pourquoi vous observez un peu, c'est d'accord, un peu sobre. Mais les personnes qui sont ici présentes, ce sont les dépositaires d'Aoko qui sont là. Même si l'ambiance est sombre, mais la qualité des personnalités traditionnelles ici, c'est le Gota qui est là. Le député est là, le président du conseil général est là, le deuxième major maire est là, et tous les chefs des villages d'Aoko sont présents, et les notables du roi sont présents aussi. Donc, madame la première dame, c'est un peu ce que nous avons traduit. Et tout à l'heure, le chef de paix qui a fait la libation a prié pour vous. À demander à ce que aujourd'hui les Ivoiriens qui se retrouvent aujourd'hui puissent définitivement vraiment garder ce cap pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est un peu le message que le chef de l'État a eu à traduire. Et encore vous dit encore, à quoi bas, vous et à votre délégation, et que Dieu vous bénisse. Merci de la parole.
Je vais te montrer un petit mot encore. Ah, d'accord. Monsieur Noël Kwame, je voudrais encore prendre la parole pour juste dire que le roi Nana Kongolagou et les chefs de village ici présents et la cour du roi me chargent de vous dire qu'ils offrent un bélier à la première dame, comme ce n'est pas évident qu'elle puisse déjeuner avec nous ici et que ce bélier-là puisse servir de déjeuner avec sa délégation quand il sera bien. C'est un peu ce que tout à l'heure le programme nous va bien dire. Merci encore. Bon. Ça va? Donc, c'est un mot bas et nul sous marée. Il y a un cas où on a fait créer amour. On a fait du signe d'oreille. Il y a beaucoup de choses. Madame, il dure dans le cabinet. Il est venu me dire du mot. On dit Yafouba. Je vais vous dire.
Mais à qui me sert-elle? Ok. Et je vais pas vous. C'est un appel, et tu n'as pas au bar, et nous sommes allés. Yo. Yo, famille, très amour. Yo. Comment, mon François? Tu as vu, mais il bat. Yo. 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 Yo, yam, Je voudrais parler en français. Vous dire merci d'abord de nous accueillir. Merci pour toute cette mobilisation-là. Je voudrais saluer le roi et lui dire Yako. Mes condoléances, nos condoléances pour les deuils que l'on frappe. Et vous dire aussi qu'on vous a dit pourquoi on est là. Vous dire Yako pour tout ce que vous avez souffert ici. Et vous dire merci pour toute l'énergie que vous avez déployée, toute la sagesse aussi que vous avez déployée pour que le problème, la grosse difficulté que vous avez connue ici, là, soit apaisée, que ce soit réglé. Vraiment, que Dieu bénisse notre pays, hein? Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous apporte beaucoup de sagesse, amen, pour que nous puissions organiser la paix dans notre pays. Amen. Ce qui est arrivé ici ne concerne pas seulement Daoutro. Mm-hmm. Ce qui est arrivé ici concerne Daoutro, mm-hmm, mais ça concerne également toute la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Ce qui fait que, avant d'arriver ici, j'ai un peu tourné partout où il y a eu des agressions violentes, et même avec mort d'homme. Voilà. J'ai commencé par Benoît, qui est chez moi. Ensuite, je suis allé à Gagnoa, et puis à Divo, et puis maintenant ici à Daoko. C'est dans ces quatre villes-là qu'on a dénombré des morts, et également beaucoup de blessés, et également des destructions des biens d'autrui, les maisons qui ont été cassées, les magasins, les maquis qui ont été cassés un peu partout, brûlés un peu partout. Donc je vous dis Yako pour tous ces dégâts-là. Yako pour l'effort que ça vous a coûté pour vous occuper des blessés. Merci beaucoup. Le pays est en difficulté. Vous êtes les chefs. Et donc, je suppose que vous le savez, puisque vous êtes là tous les jours, vous assistez, vous écoutez ce qui se dit, vous assistez à ce qui se fait. Le pays est en difficulté. Et cette difficulté-là, ça concerne tout le monde. Ça concerne les jeunes. Mais ça concerne les anciens aussi. Voilà. Ça concerne le présent de la Côte d'Ivoire. Et ça concerne l'avenir de la Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais dire que vos jeunes sont descendus dans les rues. Ce qu'ils ont fait là, ils n'ont pas mal agi.
Parce qu'il y a un moment où, quand tu mènes ta vie, que tu es dans ton pays, il y a un moment où tu es interpellé par les problèmes qui se posent. Et à ce moment-là, tu es obligé de te lever pour donner ton opinion. Voilà. Mais dans ce pays-là, il faut que nous apprenions quand quelqu'un est mécontent et que la loi indique comment il doit manifester ce mécontentement-là, qu'il suive la trace de ce que la loi a dit et qu'il manifeste son mécontentement. Mais quand il est en train de manifester son mécontentement, celui qui lui il est content là, il n'a qu'à aller boire son Coca-Cola, il n'a qu'à aller boire son Fanta. Il ne faut pas qu'il vienne agresser celui qui est mécontent et qui a le droit et qui est en train d'exprimer son mécontentement. C'est ça qui amène les paroles. C'est ça qui amène les paroles. Mais partout où je passe, je fais le même plaidoyer. Je suis sûr que si le président Bédier vient ici, il va dire la même chose. Celui qui est mécontent parce que l'État a pris une décision et qui considère que la décision là, c'est pas bon pour la société. Si c'est pour lui seul, il peut se lever puis aller trouver le préfet pour parler. Mais si c'est pour toute la société, il peut s'exprimer publiquement. Et quand il s'exprime publiquement là, c'est son droit. C'est son droit. Et quand il s'exprime publiquement, on n'a qu'à le laisser s'exprimer publiquement. Tant que lui-même il se lève pas pour aller casser ici, casser là, on n'a qu'à le laisser s'exprimer publiquement. Si des gens veulent venir pour l'agresser, pendant qu'ils sont en train de s'exprimer, si des gens viennent pour les agresser, le rôle des policiers, des gendarmes, des militaires, c'est de les protéger pour que les gens ne viennent pas les agresser. C'est ça qui est la loi. C'est cette loi-là, on n'a qu'à tout faire pour que cette loi-là soit appliquée en pays. Si vous allez voir que si cette loi-là est appliquée en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de palace. En 90, quand le multipartisme est arrivé en Côte d'Ivoire, les gens n'étaient pas habitués. Donc quand on descend dans la... On a bu grenades lacrymogènes, la matraque, tout ça, on nous a tabassé tout d'Abidjan là-bas. Mais petit à petit, le président au fond lui-même, il a fini par comprendre. Il s'est assis, il nous a appelés, on s'est assis avec lui, et puis c'est là qu'on a fait les règles. Si les gens veulent marcher, ils doivent marcher comme ça. Donc nous, on doit les protéger. Si maintenant les marcheurs s'en vont casser, ah, c'est eux-mêmes qui ont cherché les palas. Mais tant que les marcheurs ne sont pas allés casser quelque chose, on doit les protéger. Si d'autres personnes viennent pour les agresser, on doit protéger les marcheurs, on doit décourager les agresseurs. Voilà, c'est le plaidoyer que je fais. Vous avez été obligé d'aller dépenser de l'argent pour soigner vos enfants. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est vous les papas. C'est nous les mamans. On va être obligé de soigner nos enfants. Mais ce qui est important, là, c'est que les enfants, notre pays, là, ça devient quoi? Notre pays, là, il devient quoi? Dans notre pays, la vie de l'homme doit être respectée. Le droit doit être respecté. Les lois doivent être respectées. Parce que si tu ne respectes pas aujourd'hui, parce que tu es au pouvoir, demain tu vas plus être au pouvoir. Il n'y a personne qui reste au pouvoir pour la vie. Demain, la carte ne sera pas là. Celui qui va venir prendre le pouvoir, s'il fait la même chose, est-ce que tes parents vont être contents? C'est pour ça que c'est important quand on a le pouvoir. Tu es au pouvoir, tu as l'armée avec toi, tu as la police avec toi, tu as la gendarmerie avec toi, tu as la eau et forêt avec toi. Parce que c'est toi qui représente le pays. C'est lui qui doit mettre bas la tête. C'est lui qui doit respecter la population. Parce que la population, elle n'a rien. La population n'a pas d'armes. Si la population se lève pour aller prendre des armes, mais la pagaille qui va dans le pays, là, ça va être terrible. Voilà. Donc, vraiment, on n'a qu'à plaider pour ça. On n'a qu'à plaider pour ça. On n'a qu'à plaider pour le respect de l'homme, pour le respect de la vie, le respect, n'est-ce pas, des lois. Si ça se fait, notre pays va être en paix. Notre pays va être tranquille. Voilà, c'est pour ça là que
pour vous saluer. Saluer les marcheurs, saluer les blessés. Ouais. Pour leur dire que ce qu'ils ont fait là, ils n'ont pas fait de péché. Mais, le combat là n'est pas encore terminé. Le combat n'est pas terminé. On continue demain. Aujourd'hui, il y a des marches. Demain, on se repose. Après, demain, pour un autre problème, on va encore marcher. Il faut qu'on apprenne à respecter. Il faut qu'on apprenne à respecter le droit de notre pays. Si on ne respecte pas le droit de notre pays, ça peut être quelqu'un qui a son fétiche. Je termine en disant que, comme avant de venir, on nous a quand même annoncé le deuil du roi. Alors, on a apporté. Tu vas prendre ça. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et à quoi, bah à quoi, j'ai un clou, non, et à quoi, non, mon clou.
Je suis venu à la maison. 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 Je suis venu à la maison